chaque entreprise investit des budgets conséquents dans le marketing chaque année, dans un seul but, l'acquisition. Alors, est-ce que la stratégie s'arrête uniquement à là ? Non. Aujourd'hui, vous êtes obligé de prendre en compte la fidélisation client dans votre stratégie d'entreprise. Les grandes boîtes comme Apple l'ont compris. D'après une étude sérieuse, fidéliser un client coûte 5 fois moins cher que d'en acquérir un nouveau. Donc aujourd'hui, nous allons voir 4 clés pour une fidélisation client réussie. Première clé, mettez en place un questionnaire. Ce n'est pas un hasard si, après avoir acheté un produit ou après avoir téléchargé une application, vous recevez un questionnaire. C'est très 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 important de savoir ce que les clients pensent de votre service ou pensent de votre produit, parfois pour avoir un retour positif, mais aussi certaines fois pour s'améliorer. Deuxième clé, après avoir effectué un service au client ou au consommateur, demandez de laisser un avis client. Je vous l'ai déjà dit dans une autre vidéo, avant de passer à l'achat, chacun de nous vérifie les avis de l'entreprise sur internet. Donc poussez vos clients à vous écrire un petit mot sur votre Facebook ou sur votre compte Google My Business. Troisième clé, pensez à valoriser vos clients. Les clients qui effectuent un achat, qui réeffectuent un achat, sont des clients qui sont satisfaits. Donc proposez-leur de temps en temps une petite réduction, un petit moins 10% en passant par Facebook. Une petite pensée pour votre client, c'est comme par exemple quand vous êtes dans un restaurant et qu'on vous fait un petit geste, on vous apporte des olives, des cacahuètes en entrée, etc. Ça permet de valoriser le client et ça lui donne une attention particulière. Donc n'hésitez pas à le faire. Enfin, quatrième et dernier point, intégrez le renouvellement d'achat à votre stratégie. Les grandes boîtes l'ont compris, par exemple Amazon, quand vous effectuez un achat, vous avez la possibilité très facilement en un clic de renouveler l'achat. Imaginons que vous soyez guide, vous pouvez à l'approche des fêtes ou à l'approche de l'été envoyer un petit message à votre client et lui dire voilà, si tu es intéressé par refaire une promenade, je sais que tu l'as apprécié, tu peux me contacter, etc. Vous le savez, les exigences des consommateurs évoluent très rapidement. On veut du tout de suite et du rapide, donc vous devez vous adapter à cette demande. Bonne semaine à tous et bon courage pour votre stratégie marketing. À bientôt. N'hésitez pas à mettre un like et à partager cette vidéo si vous l'avez appréciée. À bientôt.